Trump opponents apparently took to social media in an effort to keep seats empty. TikTok users who oppose Donald Trump. A no-show protest. This all started with a video on TikTok. I recommend that all of those of us that want to see this 19,000-seat auditorium barely filled or completely empty, go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say? So I got 2 tickets. D'abord, il y a le fait qu'on puisse taguer justement des vidéos, c'est-à-dire qu'on puisse s'exprimer individuellement autour de ce problème. Ce que l'on ressent, ce que l'on a à en dire, avec des moyens de création audiovisuelle et donc finalement d'avoir une créativité, une expressivité personnelle, mais qui participe à une polyphonie, c'est-à-dire où chacun finalement apporte sa voix à une protestation, une colère qui est plus générale. C'est un peu comme si on passe de sa salle de bain à la rue quand on veut justement exprimer sa colère. Il vaut mieux la faire entendre à plusieurs que tout seul dans son coin. Ça participe à finalement donner une ampleur au mouvement par le fait de collectivement contribuer à justement faire entendre le problème. I realized that with that title, I have a job to inform people on the racial inequalities in the world right now. How come when it comes to the color of a person's skin, they're treated differently? We, people of all colors, need to speak up at a time like this. Il y a ces tags, il y a le fait qu'on peut réaliser des reprises en duo, des vidéos, donc on met en dialogue sa performance avec celle d'un autre. Et c'est vraiment intéressant voilà, d'observer un détournement, une voie plus politisée d'une application qui était extrêmement divertissante. Donc, et chez les plus jeunes, bah, ça va créer une sorte d'acculturation à ce problème. Et donc, c'est un peu comme cela que se fait aujourd'hui, que se constitue la culture politique des plus jeunes. This is America. This is America. This is America. Donc cette boucle crée une sorte de ritournelle hein, qui est favorable en fait à la réplication, au mimétisme, puisque c'est comme un slogan assez court, assez bref, qui se fait entendre une fois, deux fois, par X voix. Et là encore, on multiplie les possibilités de se faire entendre, hein, puisqu'il y a ce caractère extrêmement répétitif qui favorise la viralité. Conservative in 2020, there are two options of what you can be. You're either white supremacist or deeply in the closet, and you're secretly LGBT. Okay! If you are conservative in 2020, there are two options of what you can be. Une fonctionnalité de base de TikTok qui a fait son succès, c'est le playback. C'est-à-dire il s'agit bien sûr d'imiter des chorégraphies, mais aussi parfois d'imiter des sketchs, de reprendre la voix d'un autre. Et si on a donc une fonctionnalité de porte-voix qui est importante, c'est-à-dire qu'on peut reprendre la vidéo d'un autre au niveau notamment des paroles, de ce qui est dit. Et on s'en rappelle le Human Mic de Occupy Wall Street à Zuccotti, hein, où les activistes, faute de mégaphone qui était interdit, reprenaient les paroles des uns des autres pour que ça soit mieux entendu. Donc il y a tout un ensemble de pratiques, de fonctionnalités et de formes qui finalement assurent hein, le fait que ce problème public tel qu'il s'exprime, se met en scène,
se racontent via TikTok, eh bien, prennent une ampleur. On va utiliser, suivant un peu la logique de ce qu'on appelle les médias tactiques, hein, qui utilisent le numérique depuis qu'il est grand public, c'est-à-dire vraiment fin 90-2000, il y a un usage tactique et activiste du numérique par tous les moyens possibles. Il s'agit de se faire entendre.